Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve alors pour une vidéo, enfin je vais essayer quelque chose pour une perruque que j'ai reçue, que voici. Vous voyez, c'est une perruque synthétique que j'ai déjà utilisée et en fait je voulais le faire lisse. Donc on va essayer tout ça, voir qu'est-ce que ça va donner cette perruque en raid. Normalement les perruques synthétiques, bon, on peut pas les utiliser longtemps et que de suite après ça devient catastrophique. Bon, c'est pas fait pour porter tous les jours, hein, selon moi. Donc voilà, donc celle-ci en fait j'ai envie de la faire en fait plus raide. Elle est magnifique cette perruque, vraiment, mais j'ai envie de réduire tout ça. Donc ce qu'on va faire, important, quand vous recevez des perruques synthétiques, c'est bien de coiffer, pas laisser en fait, si vous pouvez hein, bien sûr, pas laisser en fait les boucles naturelles. Maman, t'es trop belle. Merci ma chérie. Coiffer en fait, ça fait un air beaucoup plus, vous voyez, naturel, c'est très joli. Que quand vous laissez les boucles en fait, normalement en fait. Vous voyez, elle est vraiment au top cette perruque, j'adore. Dommage que c'est synthétique, mais c'est pas grave, on fait avec. Je vais mettre mon fer à lisser au minimum, donc au numéro 1, donc température numéro 1. Et on va essayer de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc je vais commencer d'abord par une mèche qui est tout en bas. En fait, j'ai envie que ça fasse raide sans faire raide en fait. Donc, hop. Ça va être un peu long parce que comme c'est pas très chaud, génial. Et en fait, vous cravez pas vos mèches. C'est vraiment très joli. Si je mets plus chaud, vous risquez en fait de abîmer vos mèches. Après, si vous n'avez pas envie que ça soit raide, vous pouvez vous arrêter. Donc là j'ai mis un, je vais augmenter un petit peu parce que sinon c'est un peu trop long. Voilà, ça vous pouvez pas faire avec tous les synthétiques. Les synthétiques en fait ça tient pas du tout la chaleur. Je tiens à préciser, il y en a qui font vraiment en plastique. Bon, j'ai une petite souris à côté qui arrête pas de bouger. Voilà, c'est magnifique, j'adore. Ça, vous avez une soirée. Oh là là. Comment vous dire? Vous allez faire sensation avec ces mèches. Après voilà, moi je voulais vraiment, comme je vous ai dit, hein, le même faire raide, mais vous pouvez laisser comme c'était. Vous voyez, ça fait beaucoup de volume du coup. Et c'est ça que je voulais, un raide avec du volume. Pour protéger, vous pouvez prendre ça et mouiller un petit peu. Mouiller et après on mouille, après ça fait des beaux cheveux belles, ça fait des cheveux. Et ça protège. Et ça protège. Qu'est-ce que tu dis? Et ça fait des beaux cheveux. Tu veux faire ça aussi? Oui. Mais bon, moi en fait, j'utilise pas vraiment, en fait. La qualité en fait est au top, j'adore. Ce volume là ici, ça j'adore. Ça fait beaucoup plus naturel, un peu plus, enfin, beaucoup plus naturel, c'est bien un gros mot. C'est plus pour sortir la journée, un raid, c'est pour ça que je voulais les laisser, que boucler en fait ondulé comme c'était. Ça fait très chic, très soirée, vous voyez ce que je veux dire. Oh là là, j'ai mal aux yeux, je me suis chopé une allergie aux yeux. Ça fait une semaine et j'ai toujours autant mal. La lumière, ça arrange rien du tout. Ce modèle là, je l'ai en rouge. En Hyundai marron, c'est magnifique d'ailleurs aussi. Ça fait un peu de forme devant comme ça, c'est très joli, j'adore. Voilà, hop. Terminé, je vais pas faire plus. Bon, je vous conseille quand même avant de sortir d'accrocher un minimum, hein, parce que là j'ai pas accroché du tout. Voilà, elles sont très belles. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, j'ai terminé. Je voulais vous montrer l'effet en fait avec des mèches synthétiques que vous pouvez lisser. Ça fait très joli, c'est très naturel. Même la couleur en fait, au début ça brillait, le fait d'avoir lissé, je sais pas. Ça a atténué en fait la brillance de ces mèches.
et elles sont magnifiques, vraiment. On dirait même pas que c'est des synthétiques. Tu t'es coiffée? Avec l'eau? Tu te trouves belle comme ça? Non? Oui? Voilà, voilà, en tout cas j'ai fini. J'espère que cette vidéo va vous plaire les filles, que ça va vous aider, hein. Pour celles qui n'osent pas en fait passer le fer à lisser sur leur mèche synthétique, sachez que vous pouvez faire. Après, je dis pas que vous pouvez faire ça sur toutes les mèches, mais voilà, moi en tout cas, ça a bien marché. Elles sont vraiment au top, ces mèches, donc pourquoi pas les vôtres. Si jamais vous avez des mèches que vous avez beaucoup utilisées et que ça a commencé à un peu, comment dire, avoir des fourches, faire pas joli, vous pouvez en fait prendre un fer à lisser et essayer de rattraper ça, parce que moi j'ai déjà réussi à faire ça. Bon, malheureusement j'ai pas filmé, mais pourquoi pas un jour, hein, où j'ai des mèches que j'ai utilisées et que au final ça fait pas joli, vous pouvez toujours les lisser un peu et rattraper. Voilà, n'ayez pas peur de faire. Maman. Par contre, faut aller progressivement parce que... Maman, il faut que tu fais comme ça. Là, on a des cartes pour faire des photos. D'accord. Faut le faire progressivement. Faut pas de suite mettre... Et tu dis pour les cheveux. Je sais pas, le faire à lisser à 8, 6. Maman, et tu dis pour les cheveux, tu dis aux gens... Mais merci pour les cheveux, pour ça. Voilà, donc voilà, faut aller pour les deux. Oui, merci. Mais non, pas comme ça. D'accord, ok. Tu me laisses finir? Et maintenant, l'autre. Ok, non, laisse-moi finir, après je te le fais. Donc, faut le faire progressivement. Vous allez par étape. Hein. Vous commencez par... Ça dépend des fers à lisser, hein, parce qu'il y en a qui sont puissants, d'autres moins. Donc, voilà, vous commencez par deux... maximum, et après si vous voyez que vous pouvez augmenter, vous augmentez, mais bon, faut quand même aller progressivement pour pas faire des dégâts. Bientôt pour des nouvelles vidéos. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Bye bye bye.